George, c'est vraiment incroyable. Alors, comme ça, tu as obtenu le poste de directeur de la Rawlings Holding, juste comme ça. Mec, c'est vraiment incroyable. La chance te sourit vraiment. Tu sais quoi? Nous devons fêter ça. Tu as raison. En fait, pour moi, c'est bouleversant. Je suis surpris. Je n'arrive pas à croire que j'ai été promu, juste comme ça. Quoi qu'il en soit, on doit aller célébrer ça quelque part. On doit s'asseoir et cette fille, je n'arrête pas de la voir. J'ai l'impression de la voir déjà vue, mais... Vraiment ? Son visage m'est vraiment familier, je ne la connais pas. Je ne sais pas, mais pourquoi je la vois tout le temps? Allons-y. D'accord, c'est ton jour, nous devons fêter ça. Oui. Il s'appelle Shawa Folavi. C'est lui qui était supposé être à ce poste. Comment as-tu fait ça? Si j'ai bonne mémoire, ces derniers temps, tu n'étais pas parmi les favoris de la société. Jusqu'ici, je n'arrive pas encore à réaliser le choc de la nouvelle. Je veux dire, crois-moi, ça sera désastreux. Ça coûtera à beaucoup de personnes, et plus particulièrement à Sean. Tu t'entends parler? Allez, c'est ta chance, profites-en. Tu n'as pas eu à corrompre ou à faire des efforts pour l'avoir. C'est Dieu qui te l'a donné. Dis-moi, tu penses que je devrais en parler à Sean? Je veux dire, je lui ferai comprendre que ça ne venait pas de moi. Pour plus de clarté. Si tu veux mon avis, je dirais que ce n'est pas nécessaire. Allez, mec. Dieu s'est souvenu de toi. D'accord? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Sérieux. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de profiter de ton poste de directeur et d'être heureux. D'accord? Arrête de t'en faire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cette maison est vraiment très belle, mais je comprends pas. Pourquoi m'as-tu amené ici pour la voir? Il m'a dit que je devais t'amener ici. Ceci est ton nouvel appartement. Et voici les clés. Attends. Le directeur général t'a demandé de me remettre ces clés et de me dire que ceci est mon nouvel appartement. En effet. En vertu de quoi? Un nouvel appartement pour votre nomination, monsieur. Cette maison est grande. Cette maison est belle. Cette maison est très grande pour moi. La maison m'appartient dorénavant.
Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Attends, attends, comment c'est possible? Comme vous pouvez le constater. Mais comment c'est possible? C'est votre maison, monsieur. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Ah, ah. Non, je n'y crois pas. Après vous. Something strange going on. Very mysterious, so dangerous, going on. Feel serene, but so unreal. It's hard to define. But it sends shivers up your spine. It's like a blessing, but in fact, it's a curse. It's a curse, because this blessing is by force, from a strong force. Oh. She's the rush of the wind from the sea. She claims to be hers. She says that if you are the one, and there is nothing that you can do, she says that you're the one. There's no place to hide, because she's already inside. Oh, vous êtes occupé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais patienter. Salut. Salut. Pourquoi je tombe toujours sur vous? Vivez-vous ici? Ou alors vous vivez non loin d'ici? Ah bon? Je pense plutôt que c'est toi qui passes ton temps à me suivre. Ah. Très bien. Désolé, moi c'est Georges. Georges. Et moi, c'est Claire. Enchantée, ravie de faire ta connaissance. Combien ça fait? Ira, madame. C'est bon, je m'en occupe. There is something strange going on. Mysterious, so dangerous, going on. Feel serene, but so unreal. It's hard to define, but it sends shivers up your spine. It's like a blessing. But in fact, it's a curse. It's a curse. Because this blessing is by force, from a strong force. Oh. She's the rush of the wind from the sea. And her call it was here to be free. She's the rush of the wind from the sea. And I call you was here to be free from my.
a ride, take a ride. Blast from the past has come at last to man you. How long will it last? Nobody knows in this event. Rush out the wind. Salut. Ah, salut. Mais quelle surprise. Tu vis dans les environs? Non. Je suis venue voir une amie et là, je l'attends pour qu'on aille à la gym. Oh, ok. Ça te dirait qu'on se revoit? Je veux dire autour d'un déjeuner ou un dîner. Parce que le fait qu'on se rencontre chaque fois commence déjà à susciter en moi une certaine... Tu m'intéresses. Qu'en penses-tu? Eh bien, l'idée me semble parfaite, mais malheureusement, je ne mange pas dur. Oh, ok. Et si tu venais chez moi? Je veux dire pour déjeuner ou dîner, 19h, si ça t'arrange. Ça marche? Ça marche. Ravi de t'avoir revu. Ok, à plus tard. Salut. Oh, mince. Oh, je n'ai pas pris son numéro, ne connais pas la maison. J'y retourne. There is something strange going on, very mysterious, so dangerous, going on, feels so real, but so unreal, it's hard to define. But it sends shivers up your spine. Oh, it's like a blessing, but in fact it's a curse. It's a curse because this blessing is by force, from a strong force. Oh, she's the rush of the wind from the sea, and her call you must heed to be free. She's the rush of the wind from the sea, and her call you must heed to be free from her trouble, free from her trouble, free from her hassle, free from her trouble. Tu es en retard. Je n'ai pas pris ton numéro. Comment as-tu trouvé ma maison? Je ne savais pas que quelqu'un m'attendait. Hey. Une question à la fois. Tu as raison. Nous n'avons pas échangé de numéro. Mais nous avions rendez-vous. Et j'ai jugé bon de l'honorer. Je me suis rendu compte que tu vis dans le coin. Vu que très tôt le matin, tu as l'habitude de faire du jogging. Et donc, je n'ai eu qu'à poser quelques questions au sujet d'un très beau jeune homme. Ça n'a pas été difficile pour moi de trouver. Quelqu'un m'a juste indiqué la maison. Oh, mon gardien Hakim? Non, et c'est dommage. Je pense qu'il dormait, quelque chose comme ça, parce que le portail était grandement ouvert. Et puis je suis entrée. Comment as-tu fait pour entrer dans ma maison? La porte était fermée. Non, la porte était ouverte.
Je pensais que tu étais à l'intérieur. Et c'est pourquoi je me suis permise d'entrer. Il y a un problème? Non. There is something strange going on. Very mysterious, so dangerous, going on. Ok, tu es plutôt 20 ou haut. Bref, tu as le choix. Alors, comme ça, c'est bon? Oui, ça ira. Je ne connaissais pas ton goût, alors j'ai pris les deux. Mm-hmm. Ah! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Hé, hey, tu n'as pas besoin de t'en aller, c'est juste de l'eau. Suis désolé, je ne l'ai pas fait sciemment. Jésus! Jésus-Christ! Oh Jésus! Oh Jésus! Par le nom de Jésus! Père, je me lève pour combattre tout esprit de folie! Père, je me lève contre toute principauté et toutes les forces des ténèbres! Oh Jésus! Je me lève contre tout esprit maléfique! Oh Jésus! Frère Georges, sais-tu au moins pourquoi je t'ai appelé urgemment? Non, pasteur. Et j'espère que tout va bien. La nuit dernière, l'enfer s'est ouvert. Dans une révélation, j'ai vu un danger s'approcher de toi. Un danger? Pasteur, qu'entendez-vous par danger? Dans cette révélation, je t'ai vu marcher main dans la main avec une sirène. Comme si vous étiez sur le point de vous marier. Oh, que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde, pasteur. Eh bien, j'ai prié pour toi. Et je veux que tu te rapproches de Dieu. Et que tu pries toujours. D'accord, pasteur, c'est noté. Je crois que j'ai compris. Je vais le faire. Pasteur, j'aurais également besoin de vous. Priez pour moi. J'aimerais que vous m'aidiez à remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens juste d'avoir une promotion dans mon lieu de service. Oh. Avec une maison toute neuve à la clé. C'est d'accord. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai juste envie de croire que Dieu est avec moi. Ça, c'est très bien. Gloire à Dieu. Amen. Que notre Dieu soit loué et adoré tout le temps. Amen. Amen. Frère Georges. Merci, pasteur. Félicitations. Merci. Félicitations. Mais monsieur, ça, c'est une lettre de renvoi. Cette lettre est la résultante de votre attitude nonchalante. Le non-respect de l'éthique et de la politique de cette entreprise. Comment vous pouvez dire ça? Je me suis toujours bien comporté. J'ai travaillé inlassablement, tout en respectant les principes de cette société au cours de ces 5 dernières années. Je ne comprends pas pourquoi je reçois ça aujourd'hui. Vous devez partir, monsieur Georges. Comme vous pouvez le constater, je suis fâché. Something strange going on,
very mysterious, so dangerous, going on, feels so real, but so unreal. It's hard to define, but it sends shivers, shivers up your spine. Oh, it's like a blessing, but in fact, it's a curse. It's a curse, because this blessing is by force, from a strong force. Oh. She's the rush of the wind from the sea. Qu'est-ce que tu fais là? Le fait que tu aies perdu ton boulot ne veut pas dire que tu dois boire au point de perdre la tête. Et qui t'a dit que j'ai perdu mon boulot? George, j'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. J'ai tout mis à ta disposition. Pourtant, tu as choisi de donner ma gloire à ton Seigneur en écoutant ton pasteur. Et qu'est-ce que tu entends par « tu as fait de moi ce que je suis » Je sais que tu as un cerveau et qu'il fonctionne parfaitement bien. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui a commencé avec moi. Et ça finira avec moi. Et je ne vais plus tolérer que tu donnes ma gloire à... peu importe comment tu l'appelles. Et la prochaine fois, j'apprécierais que tu dises « C'est madame qui a tout fait. » Ça me ferait vraiment plaisir. Qui es-tu? Je suis Claire. There is something strange going on, very mysterious, so dangerous, going on, feels so real, but so unreal. Allô, monsieur. Monsieur Georges, je voudrais vous voir dans mon bureau demain matin à la première heure. Je pourrais avoir de bonnes nouvelles pour vous. D'accord. There is something strange going on. Very mysterious, so dangerous, going on, feels so real, she says that you're the one. Jay, Jay, je t'ai toujours dit que lorsque tu veux entrer dans la piscine, n'entre pas par l'avant, il faut toujours entrer par le dos. Wow, 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 nous sommes vraiment désolés. Doucement. Doucement. D'accord. Ça, c'est bien. Allez, c'est parti. Coach, nous pouvons commencer. Dans les cours précédents, nous avons appris comment se familiariser avec les eaux. Oui. Le contrôle de la tête, okay. Comment ouvrir les yeux lorsqu'on est sous l'eau. Comment inspirer et expirer lorsqu'on est sous l'eau. Oui. Super, notre leçon d'aujourd'hui sera intitulée « Le battement des pieds ». Comment est-ce que je l'ai appelé ? Le battement des pieds. Vous savez, je vous ai dit plutôt qu'il existait quatre mouvements de natation. Le freestyle, le backstroke, la brasse et le mouvement du papillon. D'accord. Vous savez, tous ces mouvements dans la natation ont chacun un style de cours qui leur sont propres. Mais celui que nous sommes sur le point d'apprendre aujourd'hui s'appelle le mouvement flottant. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Le mouvement flottant. En fait, il consiste à bouger les membres.
Ok. Vous bougez les pieds de manière vive. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Et j'aimerais que vous fassiez ce mouvement lorsque vous êtes immergé dans l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que lorsque vous le faites ainsi en tant que débutant, ça vous permet de vous rapprocher de la piscine. C'est compris? Ok. Ok, tendez vos mains en avant. Soyez rapide. Très très rapide, je veux le voir. Vous vous débrouillez très bien. C'est bien. C'est bien comme ça. Continuez. Allez-y. Ouvre tes yeux. Ok. Regarde fixement. Regarde-toi. Allonge-toi sur le sol. Je t'ai dit que la tête était la partie la plus lourde du corps. Okay. Toujours permettre à la tête de rester sous les eaux. Ferme tes jambes. Mm-hmm. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Super, tu dois toujours commencer à bouger la jambe inférieure. Bouge la jambe vivement. Plus vite. Est-ce que tu te rappelles du nom de ce mouvement? Oui. Je te l'ai dit. Comment est-ce que je l'ai appelé? Le mouvement flottant. Très bien. Ok, il est vraiment très facile pour un objet plat de se déplacer rapidement dans les eaux que pour un objet lourd. Reviens dans les eaux. Ok. Reviens. Tu tends le corps en avant, en position de nage, et bouge les jambes de manière vive. Nous sommes toujours dans le mouvement flottant. Observe-moi. Yo, attends tout. C'est super, tu as réussi. Continue. Ouais. Very mysterious, so dangerous, going on. Chérie, tu as l'air fatiguée. J'espère que tu as aimé la leçon de natation. Si, mais n'es-tu pas fatiguée? Fatiguée? Non, elle n'a pourtant pas mis très long. Pourquoi serais-tu fatiguée? Oui, je suis sûr que tu avais vraiment besoin de cette leçon aujourd'hui, plus que quiconque. Bébé, nous devons rentrer à la maison mes yeux dimanche. De plus, nous devons parler de quelque chose. Mon amour, ton humeur a changé tout d'un coup. Dis-moi, quelque chose ne va pas? Je veux dire, est-ce que t'as un souci? C'est bon, je vais bien. Rentrons juste à la maison. Tu vois, tu viens encore de le faire. Tu veux juste nous gâcher cette bonne humeur. Ok, je ne sais pas ce qui nous empêche de discuter ici. Écoute, je ne peux pas faire semblant d'être heureuse alors que c'est pas le cas. Surtout quand je sais qu'il y a un danger proche. Le danger est proche? De quel genre de danger imminent tu parles? Georges. Oh, Georges. Je pensais qu'on avait fini avec ce problème. Vraiment? Oui. Ça ne peut pas finir comme ça. Parce que la nuit dernière, j'ai fait 3 mauvais rêves consécutifs à propos de lui et de sa fiancée des enfers. Tu as fait un rêve et quoi? Que disait le rêve? Et qui t'a dit que Claire est la fiancée de Georges? Bébé, tout ce que je sais, c'est que tous ces rêves se terminent très très mal. Tu dois juste prendre tes distances avec lui, du moins pour l'instant. Je t'en prie. Écoute, mon amour, je t'ai dit plusieurs fois de ne surtout pas poser de questions quand il s'agit de elle et de Georges. D'accord? On n'est pas obligé de penser que les femmes veulent toujours séparer leurs époux de leurs amis. Écoute, Georges et moi, nous sommes amis et collègues depuis très longtemps. Ceci bien avant notre rencontre et notre mariage. D'accord? Alors, ne t'inquiète pas pour ça. Et même le pasteur de Georges a déjà eu à prier pour cette affaire de Claire. Oublie ça. Vraiment? Le pasteur de Georges, lui au moins il en a un. Est-ce que tu en as? Je pense que cette conversation est terminée. Allons-y. Jake, tu m'entends? Quelque chose s'est passé et je ne comprends pas. Je viens juste d'être promu. Je viens juste d'être promu directeur général de notre société. Oui, je viens d'être nommé Didier. Jake, laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler. Bonjour, monsieur le directeur général. Femme, mais qui es-tu? Et pourquoi tu continues de me suivre? Et pourquoi tu connais tout de moi? Trop de questions. Ce qui devrait plutôt nous préoccuper en ce moment, c'est fêter le fait que tu aies retrouvé ton emploi. Ainsi que la promotion que tu viens d'obtenir. Tu vois? Voilà ce qui arrive quand tu me laisses entrer dans ta vie.
Et là, je suis fière d'être avec toi. Les bonnes choses arrivent. Tu dois être prêt. Et ce n'est que le commencement. Aussi longtemps que je serai dans ta vie, profite bien de toutes ces belles choses que je vais mettre à ta disposition. Réponds à mes questions. Dis-moi qui es-tu et qu'est-ce que tu attends de moi. Je suis le souffle du vent. Et je t'ai choisi. Comme... Mon Dieu. Pasteur! Frère Georges, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, j'ai des ennuis. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me mettre dans les problèmes. Je vous en prie, priez pour moi. Ok, d'accord. Calme-toi d'abord. Oh Père Céleste, je te remercie pour des périodes comme celle-ci. Oh Seigneur, ton fils est devant toi. Allez, prends le total contrôle de sa vie. Père, quel que soit le défi qu'il rencontre dans sa vie en ce moment, prends le total contrôle. Où est-ce qu'elle était placée? Je n'arrive pas à y croire. Cette histoire est terrible. Où est-ce qu'elle était placée? Juste là. D'accord, calme-toi. Tu calmes, frère Georges. Calme-toi et laisse le Seigneur agir. S'il te plaît. Que tout esprit mauvais, au nom de Jésus, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle. Prends contrôle. Frère Georges, prends ta voiture et rentre à la maison. Pasteur, je suis un peu confus. Est-il obligé d'aimer quelqu'un? Rappelle-toi, frère Georges, le combat que nous menons n'est pas simplement physique. Tu dois prendre des temps de prière et jeûner. Ceci n'est pas un combat physique. Je ferai de mon mieux de me joindre à toi en prière. C'est d'accord, pasteur. Je vous ai compris. Je ferai comme vous me l'avez conseillé. Ok. Je ferai de mon mieux pour que ça marche. D'accord. Pasteur, d'accord. Vous devez... C'est mieux que vous le preniez. Il n'y a aucun pouvoir dans ce verre. Le pouvoir qui y était contenu a été détruit par la parole de Dieu. Something strange going on. Very mysterious, so dangerous going on. Feel serene, but so unreal. It's hard to define. Donc ton pasteur a vraiment cru qu'il m'a éloigné de ton véhicule. En l'aspergeant d'eau bénite. Il s'est trompé. Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que j'attends de toi? Je suis celle qui donne la bonne chance. Où était ton pasteur quand j'ai pris le soin de te sortir de la misère? Quand tes amis t'ont abandonné, je t'ai pris. Je t'ai donné un logement. Je t'ai donné tout ce que tu as. Un logement. Une éducation. Des vacances partout où tu voulais. Et puis ton diplôme universitaire.
quitter maintenant ton travail. Tu te rappelles de Jizzy? D'où connais-tu ce nom de Jizzy? C'était ma copine. Je me souviens très bien d'elle. Au cours de mes études, mes parents venaient juste de mourir. Elle a été là pour ma sœur et moi. Elle a pris soin de moi. Elle m'a donné un abri et de l'amour. Elle m'a beaucoup aidé. Elle est celle qui m'a le plus aidé dans ma vie. Et où est-elle maintenant? Et elle a disparu. Elle a disparu après m'avoir brisé le cœur. C'est pour ça que je n'ai plus jamais aimé. C'est pour cette raison que je ne veux pas me marier. Je suis Tizi. Je suis Claire. Je ne t'ai pas brisé le cœur. Je suis partie parce que j'ai eu l'impression de ne plus t'intéresser. Et il fallait que je change d'apparence pour être plus attirante pour toi. Je peux changer d'apparence. S'il vous plaît, je voudrais voir le pasteur Paul. Le pasteur Paul a été impliqué dans un accident il y a de cela une heure. Et il a été admis à l'hôpital Saint-Thomas. Un accident? Honnêtement, je comprends pas. Vous avez dit oui, l'hôpital Saint-Thomas. Something strange going. Very mysterious, so dangerous, going on. Feel so real, but so unreal. It's hard to define. But it sends shivers, shivers up your spine. It's like a blessing, but in fact it's a curse. It's a curse, because this blessing is by force, from a strong force. Oh, she's the rush of the wind from the sea. Pasteur. Oui. Oui. Vous êtes vivant. Vous allez bien? Oui. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Pasteur, je viens juste de la voir sortir de cette chambre. À l'instant. Qui? La femme. Oh, tu veux dire ma... Tu parles de Juliette? Ma sœur, c'est ma cousine. C'est elle qui m'a apporté tout ça. Non, non! Qu'est-ce que tu fais? Ce n'était pas ta cousine. C'était la femme maléfique. Ah, c'est pas vrai. Oui, elle s'est changée en ta cousine Juliette. Ah. Elle vient tout juste de sortir de cette chambre. Ah. Ah, juste avant, je l'ai vue en route.
J'ai vu une femme debout au milieu de la route. J'ai pourtant cru l'avoir évitée. Frère Georges, tout dans la vie a un prix. Tout sur terre a un prix. Premièrement, tu dois trouver qui elle est et pourquoi est-ce qu'elle en veut à ta vie. Ça pourrait être, du moins, ça peut être des fondations démoniaques. Ça pourrait être des ancêtres qui sont après ta vie. Ça peut être une malédiction familiale. Mais nous devons nous mettre en travers du chemin de ce démon. Oh mon Dieu. Elle doit sûrement m'attendre chez moi. Alors, There is something strange going on. Very mysterious, so dangerous, going on. Feel serene. Oui, bien sûr, je suis en chemin. Oui. Mais je ne vais pas quand même faire tout ce chemin juste pour venir t'écouter raconter tes nombreuses blagues. Attends. Tu veux dire que Tizi est là depuis 3 jours? Comment? Attends. Elle dit qu'elle a fait tout ça pour moi juste parce que je lui avais promis le mariage? Hein? Elle t'a donné 200 000 naira avant de s'en aller? Ok. Bien sûr qu'on se voit, je suis en chemin. Bien. Bien sûr qu'on se voit. There is something strange going on. Very mysterious, so dangerous, going on. Feel so real, but so unreal. It's hard to define. But it sends shivers up your spine. Oh,
It's like a blessing, but in fact, it's a curse. It's a curse, because this blessing is by force from a strong force. Oh, bonjour, tonton. Venez. Venez avec moi. Nous ne pouvons pas parler ici. From the sea, and her call you must heed to be free. She's the rush of the wind from the sea, and her call you must heed to be free from her trouble. Free from her trouble, free from her hassle, free from her trouble, free from her free trouble, from her hassle. Elle a dû se révéler à toi. De qui parles-tu? Eh bien, la belle dame que tu adores. Maman, tu m'as appelée? Oui, ma chérie, s'il te plaît, assieds-toi. Adanna, ma fille. Tu sais que tu as toujours été une bonne fille pour moi. Merci, maman. Alors, je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important. Ok. Alors, prends ton temps et écoute-moi très attentivement, ok? Ok, maman, il s'agit de quoi? Comme tu peux le voir, notre famille va bientôt rentrer dans la lignée royale. Et Ben est mon unique garçon, donc c'est lui qu'on va choisir. Je sais. Et le principal critère de sélection est un héritier. Mais jusqu'ici, vous n'avez pas de garçon. J'ai besoin d'un petit-fils qui viendra nous garantir une place sur ce trône et assurer la pérennisation de notre nom de famille. Alors, que nous conseillerais-tu de faire? Maman, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oh que si, ma fille. Ça fait maintenant 7 ans que tu as eu Fina. Et jusqu'ici, tu n'as pas conçu d'un autre enfant. Aucun autre. Mon fils a besoin d'un héritier. Et moi d'un petit-fils. Selon toi, comment pouvons-nous résoudre ce problème? Maman, je sais que Ben a besoin d'un héritier et je souhaiterais vraiment lui en donner un. Mais je ne suis pas Dieu, c'est lui qui donne les enfants. Maman, je ne suis pas Dieu. Maman, je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, la raison pour laquelle j'ai initié cette conversation, c'est pour te faire savoir que je veux que mon fils Ben prenne une autre femme. Quoi? Maman, je préfère faire comme si je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu m'as entendu. Tu m'as très bien entendu. Je n'ai rien contre toi. Mais comme tu peux le voir, tu n'as donné aucun signe d'avoir un autre enfant en route. Je suis une personne très réaliste. C'est pourquoi je dois trouver une solution avant que la situation ne dégénère. Pleurer ne servira à rien. Je veux le meilleur pour mon fils. Et je ne vais pas rester là, le regarder perdre son temps. Tout ça au nom de l'amour et de la patience. Je ne le ferai pas. Et tu penses que je vais te laisser me faire ça? Maman, je ne peux pas te laisser me faire ça, maman. Maman, quelle femme sur cette terre peut accepter ce genre de choses? Hein? Maman, t'ai-je une fois manqué de respect? Maman, ai-je fait quelque chose de mal pour mériter que tu me traites comme ça? Pourquoi tu me fais ça? Adanna, ne pense pas que je le fais parce que je suis méchante. Je ne le suis pas. Comme tu peux le voir, tu ne peux plus donner d'enfant à mon fils, plus maintenant. Et qui a dit que je ne peux plus faire d'enfant?
Maman, le fait que je n'ai pas eu d'enfant après Tina ne signifie pas que je ne peux pas en avoir d'autres. Maman Esti, je peux faire d'autres enfants, je peux le faire. Maman, c'est trop dur pour moi. Dur? Comment expliques-tu que depuis la naissance de Tina, tu n'as plus conçu, pire encore donné un enfant? 7 ans, Adanna. Même les éléphants ont un meilleur cycle de grossesse que toi, Adanna. Écoute, Adanna, tu dois l'accepter. Sinon, je dirai à mon fils de te renvoyer chez tes parents. Oui. Oui. Pleurer ne servira à rien. Pense-y. Mets-toi à ma place. Et pose-toi la question de savoir qui de nous deux est injuste ici. J'en ai terminé. Grand frère, je suis fini. Mon frère, je suis fini. Pourquoi dis-tu une telle chose? Mon monde est en train de s'écrouler, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère est arrivée à la maison dernièrement. Et elle m'a dit qu'elle veut que son fils prenne une autre femme juste parce que je ne peux pas lui faire un garçon. Ah, pourquoi est-ce qu'elle dit de telles choses? Grand frère, je ne sais pas. Cette femme est en train de me tourmenter depuis un moment. Grand frère, sais-tu que c'est la principale raison pour laquelle j'ai arrêté d'aller au village? Grand frère, que dois-je faire, hein? Grand frère, que dois-je faire? Qu'est-ce que ton mari a dit? Rien du tout. Lorsqu'il s'entraînait dernièrement, je l'ai entendu lui dire la même chose et il était là à l'écouter. Comme si il approuvait son idée. Dis-moi, grand frère, et si tu lui parlais? Hein, mon frère? Je vais te suggérer d'arrêter de t'inquiéter. D'accord? Le silence de ton mari ne veut pas forcément dire qu'il est tout à fait d'accord avec ce que sa mère dit. D'accord. Mais peut-être que c'est un signe de respect envers elle. Alors je voudrais que tu rentres à la maison. Essaie de parler de tout cela avec lui avant d'en tirer une quelconque conclusion. Grand frère, j'ai très peur qu'elle ait une influence sur lui. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas pourquoi, Adanna. Je veux juste, oh mon Dieu. Adanna, ressaisis-toi. Ce pourquoi tu t'inquiètes, ne vaut pas la peine, d'accord? Juste, parle de ça avec ton mari, premièrement, d'accord? Oh. Grand frère, si je comprends bien, tu ne peux rien faire d'autre pour m'aider. Non, il n'y a absolument rien que je puisse faire, parce que ton mari n'a encore rien dit, pour le moment, tu vois. Rentre à la maison et parle de ça avec lui. Et une fois que tu auras sa version des faits, oh mon Dieu, alors tu pourras revenir me voir. Ok? Ensuite, je saurai ce que je vais faire. D'accord? Beau-frère, ma sœur Adanna est ici. Est venue chez moi il y a de cela 2 semaines. Se plaignant que ta mère, eh bien, voudrait t'imposer de devenir... de prendre une nouvelle femme. Bien, à part ça, je pense qu'il n'y a pas d'autres préoccupations. Mais tes récentes actions et tes attitudes récentes envers elle semblent montrer clairement que tu es maintenant du même avis que ta mère. Peut-être que tu as l'intention d'épouser une autre femme. Alors je suis là pour savoir ce qui se passe exactement. Chukuka, mm-hmm. Ta sœur ici présente a besoin de ton aide. Je comptais t'appeler plus tôt, mais le boulot ne m'en a pas permis. Adama, que voici, est paranoïaque. En fait, elle suspecte déjà même tout ce que je fais.
Admettons que ce soit vrai. Ma mère m'a suggéré de prendre une autre femme, mais j'ai refusé. Et depuis ce moment, toutes les décisions que je prends signifient que je veux prendre une autre femme. Adana, est-ce que c'est vrai? Grand frère, je ne suis pas paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. Ces derniers jours, mon mari rentre tard. Et lorsque je lui pose la question, il me dit que je suis paranoïaque. Ok, grand frère. Demande-lui si je me comporte aussi de la même manière quand il rentre tôt. Demande-lui. Tu vois, maintenant il suspecte tous mes mouvements. Avec ça, je ne veux même plus rester à la maison. Je préfère rester avec mes amis. Je veux dire, je ne peux pas vivre en résidence surveillée dans ma propre maison comme une personne suspectée de meurtre. Adam, je te connais tellement, si bien que tout ce que ton mari dit est vrai. L'homme, en rentrant le soir, aimerait trouver une maison aimable et confortable. Alors accorde-lui la liberté de rentrer chez lui le soir et de trouver une femme aimable, plutôt que de trouver une femme jalouse et très suspicieuse, ok? Aucun homme n'aimerait trouver ça chez lui, ok? D'accord, grand frère. Et toi, mon beau-frère, je t'en prie, retourne à tes anciennes habitudes. Et ne donne surtout pas à ma sœur l'occasion de s'inquiéter. D'accord? Bien dit, mon beau-frère. Merci d'être venu. J'apprécie vraiment tes efforts. Merci. Je t'en prie, excuse mon manque de délicatesse. Que puis-je t'offrir? Eh bien... There's something strange going on, going on. Allez, vas-y, entre. Maman. Maman, bonne arrivée. Merci. Je te présente ta co-épouse. À partir d'aujourd'hui, elle vivra avec toi. Quoi? Tu m'as entendu. Maman, c'est quel jadis Dieu, c'est ça? Tu n'es qu'elle. C'est quoi tout ça? Maman, mon mari t'a dit qu'il voulait une autre femme. Adana, est-ce à moi que tu t'adresses ainsi? Oui, maman, c'est à toi que je m'adresse. Si tu ne m'avais pas manqué de respect, maman, je ne te parlerais pas comme ça. Hein? Je ne te répondrais pas ainsi. Quelle bêtise! Hé! C'est quelle bêtise, hey, ça? Ferme-moi ta bouche! Pourquoi est-ce que tu insultes maman comme ça? Pourquoi? Elle est ton égale? Pourquoi? Pourquoi tu l'insultes? Si tu continues à insulter maman comme pourquoi? Je vais te donner une leçon, tu vas voir. C'est qui ça? Essaye de me toucher. Tu es qui pour insulter maman comme ça? Tu as perdu ton cerveau. Regardez-moi, cette stupide villageoise. Tu viens me faire la morale dans ma propre maison. Écoute. Je n'ai rien à discuter avec toi. Tu es tellement naïve et stupide pour mériter une réponse de ma part. Maman, elle a encore son cerveau. Elle m'appelle idiote. Et c'est moi que tu appelles idiote. Maman, peu importe ce qu'il y a eu, tu n'aurais pas dû les laisser se bagarrer. Regarde à quel degré Joanna a battu Adana. Jusqu'ici, elle reste ma femme. Mon Dieu, elle ne mérite pas ce genre de traitement. Je pense que tu aurais dû attendre mon retour. Si tu avais vu comment elle m'a insultée aujourd'hui, même ta nouvelle femme, ici présente, n'a pas supporté la regarder le faire. Maman, comment pourrais-je t'insulter? Si je comprends bien, comme j'ai refusé qu'une autre femme entre dans ma maison, ça veut dire que je t'ai insultée. Maman, mon mari t'a-t-il dit qu'il voulait une nouvelle femme? Ben mon fils, donc tu ne lui as pas dit que tu as épousé une nouvelle femme? Ben, c'est un mensonge, n'est-ce pas? Ben, dis-moi quelque chose. Ben, dis-moi que c'est pas vrai. Ben! Hey, Mriri Kumago, arrête de taper, maman. C'est vrai.
C'est vrai, ma chère. Il a payé sa dot la semaine passée, quand il est venu au village. Désolée qu'il ne te l'ait pas dit, ça fait vraiment mal. Ma nouvelle femme, maman, va nous préparer du moussi. N'oublie pas de mettre du piment. D'accord, maman. Tu touches ça bien. Je vais bien se préparer ça. Oh, maman, ça. Ada! 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 Maman! Ada! Laisse-la. Ada! Ada! Grand frère! Ada! Grand frère, que dois-je faire? Grand frère, que dois-je faire? Parce que je ne peux pas vivre avec cette fille. Je ne vivrai pas avec cette âne. Je ne peux pas vivre avec elle. Bien, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais si tu veux, je peux venir parler sérieusement à ton mari pour qu'il me dise pourquoi il les a laissés te frapper de la sorte. Ah, ah. Grand frère, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute, donc je pense qu'on devrait le laisser en dehors de ça. Ce n'est vraiment pas sa faute. Grand frère. Grand frère. Grand frère, je sais que tu sers des dieux très étranges. Oui, je le sais. Grand frère, s'il te plaît, tu peux faire appel à eux afin qu'ils me donnent un fils, hein? Grand frère, c'est la seule chose que je puisse faire pour sauver ma famille. Grand frère, j'ai besoin d'un fils, s'il te plaît. D'accord. Adana, tu ne sais exactement pas quoi lui demander. Écoute, les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Ça va engendrer des conséquences énormes. Je te conseillerai à continuer à servir ton propre Dieu. Grand frère, laisse mon Dieu en dehors de ça. Laisse mon Dieu en dehors de ça. Regarde, ça fait des années que je prie et mon Dieu ne me répond pas. Hein? Dis-moi toi-même, ça fait déjà plus de 7 ans que j'ai accouché Fina et je n'ai plus jamais conçu. Non, n'en parlons même pas d'avoir un autre enfant. N'en parlons même pas d'avoir un garçon. Donc, grand frère, je veux vraiment essayer de faire avec tes dieux. S'il te plaît, je veux l'essayer avec les dieux. Ils pourront probablement me donner un fils. S'il te plaît, grand frère. Je t'en prie, grand frère. Écoute, la divinité que je sers est une divinité très sérieuse. Elle va te donner entièrement tout ce que tu lui demanderas. Mais à un prix que tu ne pourras jamais payer. Donc, c'est la raison pour laquelle je te conseille de continuer à servir ton Dieu. Je t'en prie. Grand frère, fais-moi confiance. Grand frère, fais-moi confiance. Je suis disposée à faire tout ce qu'il faut pour avoir un fils. Crois-moi, je suis disposée à tout faire jusqu'à ce que j'aie un fils, grand frère. S'il te plaît. Tu n'as pas les idées en place pour le moment. Va à la maison et réfléchis encore très bien. Écoute, c'est un chemin à sens unique. Et si tu empruntes ce chemin, tu ne pourras plus faire marche arrière. Grand frère, je m'en fous. Je m'en fous. Écoute, tant que ce chemin me donne un fils. Grand frère, je suis désolée, mais je ferai ce long voyage. Je suis prête à m'aventurer dans ce long voyage, grand frère, à l'instant même. Grand frère, je suis prête à m'aventurer dans ce voyage. D'accord. Rentre à la maison. Et reviens me voir dans un mois. Hein? Et d'ici là, tu auras déjà soit enlevé définitivement cette idée de ta tête, ou encore continué de la garder. Comme ça, je viendrai demain chez toi pour dire à ton mari de la laisser te bastonner. Ok, grand frère. Grand frère, tu as dit que je revienne dans un mois. J'ai dit un mois. Grand frère, ce n'est pas mieux qu'en mettre ça dans 2 semaines. Non, dans un mois. Parce que j'aurai déjà fini de réunir tout le nécessaire. Ça, c'est si tu es d'accord. J'aurai déjà terminé de réunir tout le nécessaire pour le rituel. D'accord, grand frère. Tu as dit que je revienne dans un mois, alors je m'en vais et je reviens dans un mois. À propos, il faut que j'aille chercher Fina à l'école. Grand frère, je reviens dans un mois, oh. Juste un mois. Grand frère, dans un mois, oh. Dans un mois.
Entrez. Bonsoir, Ben. Bonsoir, monsieur Shukuka. Tu peux t'asseoir. Merci. Alors, comment va la famille? Bien, on rend grâce à Dieu. Tout le monde va bien. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Non. Je suis juste venu pour avoir une conversation privée avec toi. Dans ma home. Oh, vraiment? Mon amour, tu peux nous excuser un instant, s'il te plaît. Alors, de quoi voulais-tu me parler? Je suis extrêmement déçu de toi, Ben. J'avais une très haute estime de toi. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Après tout ce que tu viens de faire, comment as-tu pu prendre une autre femme après la conversation que nous avons eue? Écoute, Shukuka. Tu sembles ne pas comprendre le degré de pression que cette situation m'impose. Ma famille prétend au trône. C'est une tradition qui implique les autres clans depuis des siècles maintenant. Et depuis un moment, le roi actuel est malade. Bientôt, il ira rejoindre ses ancêtres. Et pour accéder au trône, le principal critère est de garantir un héritier. Et comme tu peux le constater, je suis le seul fils de mon clan qui peut leur garantir le trône. Et je n'accepterai jamais qu'un autre clan le fasse. Je ne peux pas permettre ça. Dans mon village, tout mon clan est convaincu qu'Adana ne peut plus faire d'enfant. Alors, il est impératif que je le fasse pour assurer ma descendance. Si tu avais été à ma place, qu'aurais-tu fait? Mais ni toi, ni aucun membre de ton clan n'avait le pouvoir d'accorder à quelqu'un de mettre au monde un enfant. Est-ce que tu penses que prendre une nouvelle femme te garantira d'avoir un fils? C'est vrai, mais je dois essayer plusieurs approches. Je n'accepterai jamais me taper la honte devant tout mon clan. Il faut que j'essaye quelque chose de différent. Qu'aurais-tu fait à ma place? Essayer une nouvelle solution. Tu vois, je sais que tu as été sous l'effet de la pression pour faire ce que tu as fait. Mais sache que tu es sur le point de créer une division au sein de ta famille. Il y aura une perpétuelle rivalité entre les deux femmes ainsi que leurs enfants. Dès maintenant. Quelle autre solution me proposes-tu, Chukuka? Nous avons essayé du côté de l'hôpital, en vain. Ta sœur ne peut pas faire d'autres enfants. C'est un fait. Que puis-je faire d'autre, Chukuka? Alors comme ça, tu penses que ta nouvelle femme te donnera le fils tant espéré? Oh oui, je crois. C'est mieux que de ne rien faire. Le fait est fait, mais tu n'as pas d'autre choix que de nous souhaiter le meilleur. Mes sentiments pour ta sœur sont toujours les mêmes. Mais tu sais, il n'y a pas de temps à perdre. Le devoir m'appelle. Bien, dans ce cas, je n'ai plus rien à dire. Seth, tu vas bien? Enceinte? Tu as dit que tu es enceinte? Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu sais quoi? Viens, allons à l'hôpital. Je ne veux pas que quelque chose te stresse. Et un toast pour mon futur enfant. Oui, ton futur garçon. Très bientôt, tu auras un fils. Je l'espère. Mais tu sais, seul Dieu peut en décider ainsi. Pour le moment, soyons juste reconnaissants. Je ne comprends pas ce que vous dites, oh. Ce que je sais, c'est que je suis enceinte d'un garçon. Vraiment? Oui, oui. En être si sûr. Chérie, dans notre famille, on n'accouche que les garçons, les garçons, les garçons. En plus, je suis la seule fille de mon père. Et mes deux grands frères, alors,
Depuis qu'ils se sont mariés, ce sont seulement les garçons qu'ils ont mis au monde. Tout ça pour dire qu'avec moi, tu n'auras que des garçons. Ça, c'est vrai, ma chérie. Écoute, nous n'avons même plus besoin de filles dans cette maison. Je sais que tu vas me donner un petit-fils. Maman, merci. C'est moi qui vais te donner des petits-fils. Regarde, tu peux déjà choisir le nom de l'enfant. Maintenant. Parce que dans ce ventre, c'est un garçon qu'il a. La mère de mon futur petit. Oui. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je sais que Dieu a déjà répondu à nos prières. Et que cet enfant naîtra au nom de Jésus. Amen. Adana, oui. Ce n'est pas la fin du monde. Le fait qu'elle soit enceinte ne veut automatiquement pas dire qu'elle mettra au monde un garçon. Je t'en prie, arrête de pleurer. Les pleurs ne vont rien t'apporter ni résoudre ton problème. Confrère, laisse-moi pleurer. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Alors laisse-moi tranquille. Laisse-moi pleurer. Ah, que veux-tu dire par là? C'est en partie ta faute, non? Je t'ai supplié de m'aider, mais tu as refusé. Tu sais bien que tu es la seule personne vers qui je peux me tourner, hein? Si cette fille accouche d'un garçon, grand frère, je suis finie. Je perdrai tout. Ce n'est pas comme si je ne veux pas t'aider. C'est juste que le prix à payer est si fort. Et je ne voudrais pas que plus tard, si les choses tournent mal, tu reviennes vers moi et me tiennes pour responsable. Grand frère, je m'en fous. Je suis disposée à tout faire. Écoute, c'est soit tu m'aides, soit tu me considères comme une ennemie. Ok. Mais ne dis surtout pas que je ne t'avais pas promis. Je ne le ferai pas. Ne me tiens surtout pas pour responsable. Je vais rentrer à la maison, hein, et reviens demain. Comme ça, j'aurai fini de réunir tout le nécessaire. Enfin, tu parles bien. Demain. Ok, j'arrête de pleurer. Nous en appelons aux esprits des eaux. Nous avons besoin de vous. Ma sœur Adana, ici présente, est venue pour faire sa demande. S'il vous plaît, Tout-Puissant, accorde-lui un enfant. Soyez clémente envers elle et accorde-lui son désir le plus cher. C'est à toi maintenant. Je m'agenouille. Grande et Kukike, je vous en prie, j'ai besoin d'un fils. J'ai besoin d'un fils, Grande et Kukike. Mon mari dit que je ne peux plus rester dans sa maison juste parce que je ne peux pas lui donner un fils. Je vous en prie, donnez-moi un fils. Je vous en prie, juste un fils. Je vous en prie. Ne me laissez pas avoir honte. Je vous en prie. J'ai entendu ta demande. Je te donnerai un fils. Sois juste prête à me répondre en retour. En acceptant ce que je te dirai. D'accord, je le serai. Tu me donneras ton mariage. Et je ne devrai jamais respecter ton fils. Lourd quelqu'un d'autre que moi. Si elle est le cas. Toi, sa mère, tu mourras. Ok, pas de soucis. Va-t'en. Merci, Grande et Kukike. Merci. Je ferai de lui votre fiancé. Laissez-moi vous remercier une fois de plus. Merci. Et considère que c'est déjà fait. Tu as eu ce que tu voulais. Oui. Maintenant, prépare-toi à satisfaire toute cette demande. Ok. Sinon, il y aura des sévères conséquences. Ah, aucun problème, grand frère. Je sais que je dois l'amener ici à la veille de chacun de ses anniversaires. Et à son 17e anniversaire, je dois le marier. Je devrais le lui donner en mariage. Pas de problème, grand frère. Je ferai comme elle a dit. Pourvu qu'elle me donne un fils, grand frère. C'est ce que tu devras faire. La grande et Kukike, nous te remercions. Merci. De nous avoir répondu favorablement. Ok, j'espère qu'il ne va pas m'oublier. Mmh.
There is something strange going on, going on. Very mysterious, so dangerous, going on. Feel serene, but so unreal. Quoi? Tu es enceinte? Qu'est-ce que c'est merveilleux! Le Seigneur nous a déjà bénis une première fois, mais cette deuxième fois, nous allons la célébrer avec grandiose. Dassi, viens. Ouais. Le Seigneur a fait quelque chose. Wow, gloire à Dieu. Adana, attends, un enfant. C'est pour ça que tu criais, maman. Ma chérie, cette fois-ci, nous allons le fêter de manière grandiose. Laisse-moi aller chercher une bouteille de champagne pour que nous fêtions ça. Vous êtes de retour. Et bonne arrivée. Bonne arrivée. Oh. Il y a un problème? Quelque chose ne va pas. Hein? Il est si mignon. Quel île? Qui appelles-tu île? Mon fils, ce n'est pas la fin du monde. Après tout, Adana, ma belle-fille chérie ici présente, est toujours enceinte. Ne perds pas espoir. Elle te donnera... Ne me dis pas ça, maman. Ne me dis plus jamais ça. Oh, donc tu savais qu'Adana pouvait faire un autre enfant? Mais tu as quand même insisté pour que je prenne une autre femme. Je suis Dieu pour donner les enfants. Si j'entends encore ces absurdités sortir de ta bouche, tu auras affaire à moi. Je suis la seule fille de ma famille. J'ai mes grands frères qui n'ont fait que des garçons. Pour finir, elle est incapable de donner un garçon. Regarde cette chose que tu as amenée dans notre maison. Si j'entends encore un seul mot sortir de ta bouche, tu auras affaire à moi cet après-midi. Est-ce que c'est moi qui me suis enceinte? C'est de ma faute si tu es incapable de donner naissance à un garçon. N'oublie pas que tu es le seul garçon sur les 5 ou 6 enfants que ta mère a mis au monde. Et ferme ta bouche. Es-tu folle? Vas-tu la fermer? Non, maman. Laisse-la parler. Après tout, c'est toi qui l'as emmenée ici. Tu nous as ramené des insultes. Écoute, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux même pas un tout petit peu. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci d'avoir finalement répondu à mes prières. Oh, mon Adana chérie, qu'aimerais-tu manger? Tu n'as qu'à me le dire. Peu importe ce que c'est, je le ferai. Maman! Oh. Merci, maman! Maman, ne t'inquiète pas. Pour le moment, je suis folle de joie. Merci. Ah, tu me dis merci? C'est moi qui dois te remercier. Ah. Tu m'as enlevé la honte des yeux. Oh, gloire à Dieu. Oui. Oh, me remercier. Merci. Ouais. Maman, tu devrais plutôt remercier Dieu, car c'est lui qui nous a fait cette grâce, pas moi. Finalement, j'ai fait honte à mes ennemis. Amen. Oui, désormais, la honte est retombée sur eux. Oui, Mon cœur, tu sais quoi? Désormais, je veux que tu me demandes tout ce que tu veux. Absolument tout ce que tu veux. Je vais te le donner. Oh oui. Mon amour, je ne veux rien du tout. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse parce que maintenant j'ai un fils. Ouais. Alors, levons nos verres à cette merveilleuse journée. Trinquons.
Sentez maman, ma fille. Très grand. There is something strange going on. Mysterious, so dangerous, going on, feel so real, but so real. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Tu sais, quand tu es arrivée dans cette maison, tu étais la reine des lieux. Tu as volé l'amour de mon mari et de ma famille. Mais regarde-toi maintenant. Tu es très seule. Tu me fais pitié. Athana, s'il te plaît, respecte-toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, oh. Je ne veux pas les problèmes. Laisse-moi tranquille. Respecte-toi, oh. Laisse-moi tranquille. Attends, est-ce que je peux Hein? Je t'ai arrêté? Tu vois, mais est-ce que tu vois comment ça fait mal de prendre ce qui ne t'appartient pas? Hein? Athana, respecte-toi, oh. Te voilà qui recommence. Te voilà qui recommence à me chercher les problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive même? Laisse-moi tranquille, non? Dassi, ton visage a gonflé. Ton visage a gonflé. Ça ne fait qu'un mois et ton visage a déjà gonflé. Dassi, tu m'as fait pleurer pendant des mois et des mois. Ok. Tu sais ce que j'aime dans cette vie? Qui rira bien, rira le dernier. Ah. Profite bien de ta vie. Oh mon Dieu. Blast from the past. Has come at last to command you. How long will it last? Nobody knows in this event. Rush out the wind. Jésus-Christ, maman, mon fils. Maman, pardon. Je suis désolée, maman. Mon petit-fils. Maman, désolée, fils. Oh, pardon, Athana. Maman, pardon. Oh, maman, abomination. Maman, désolée. Pardon, ah, maman, pardon. Tu as menti. Pardon. Maman, pardon, toi. Pardon. Je ne peux plus refaire, maman, pardon. Ben, mon fils. Maman, s'il te plaît. Maman, pardon. Tu as mon petit-fils. Attends, maman, s'il te plaît. Maman, je ne peux plus refaire, maman. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman.
Maman. There is something strange going on. Very mysterious, so dangerous, going on. Feel serene, but so unreal. It's hard to define, but it sends shivers, shivers up your spine. It's like a blessing, but in fact, it's a curse. It's a curse, because this blessing is by force, from a strong force. Oh. She's the rush of the wind from the sea. Écoute, Kwe est très en colère contre toi. Je t'ai fait venir ici pour te prévenir des conséquences de tes actes. Écoute, Kwe n'est pas du tout une divinité clémente. Elle est vraiment très très impitoyable. Alors je t'en prie, va la voir et apaise-la afin d'éviter sa colère. Chukwuka, c'est pour cette raison que tu m'as appelé ici, hein? C'est pour cette raison que tu m'as appelé ici? Écoute, je suis désolée de t'avoir demandé de m'amener la voir la dernière fois. Mais j'ai découvert que mon fils est un cadeau du seul vrai Dieu et non d'une divinité impuissante ou de n'importe quel autre Dieu. Alors, plus jamais, je n'exposerai mon fils au diable. M'as-tu entendu? Ah, Adana, tu ne sais pas du tout à qui tu as affaire. Ekwukike n'est pas du tout une divinité clémente. Lorsque sa colère a dépassé les limites, c'est un vrai désastre. Alors s'il te plaît, ma sœur, écoute, je t'en supplie, va simplement lui remettre ce qui lui revient de droit. Je sers le seul et unique vrai Dieu et je n'ai rien à voir, absolument rien à voir avec cette divinité impuissante. Si j'étais toi, je jetterai tous ces fétiches auxquels tu crois et je donnerai ma vie à Dieu. Hein, mon frère, donne ta vie à Dieu Tout-Puissant. Tu me déçois beaucoup. Alors comme ça, tu as très vite oublié comment tu venais chaque fois m'embêter, me suppliant de t'amener voir cette divinité afin que tu puisses avoir un fils. Et maintenant, tu dis que c'est ton Dieu qui te l'a donné. Où donc était ton Dieu? Quand tu étais incapable de concevoir ni d'avoir un fils, où? Grand frère, j'ai vraiment très honte de voir à quel point tu es à fond dans ces choses. Hein? L'obsession que tu as pour ces croyances en ce 21e siècle me fait peur. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te délivre, grand frère. Que mon Dieu Tout-Puissant te délivre. Écoute, grand frère, ne m'appelle plus jamais pour ce genre de discussion. M'as-tu entendu? Grand frère, ne m'appelle plus jamais pour ce genre de discussion. Oh. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Mon amour, c'est un goût différent. C'est du riz à loco.
Tu aimes ça? J'adore. Si tu le permets, as-tu pensé à ce que notre prince va manger? Bien sûr que si. Pense aussi à l'appeler avant qu'on aille au lit. Ok. Je n'ai vraiment pas envie qu'il reste dehors avec toutes ces filles de nuit. Oh, très quand ces filles qui n'est pas à la maison, tu ne demandes jamais après elles. Mon amour, je suis désolée. Bien sûr que je m'inquiète aussi pour elle. Je sais. Bois un peu d'eau. Mon amour, mais c'est quoi ça? Mon amour, tu vas bien? Mon amour, arrête! Mon amour, arrête, s'il te plaît, tu vas bien? Jésus, c'est quoi ça? Mon amour, arrête! Venez l'aider! Docteur, quel est le nom de cette maladie qui dérange mon fils? Hein? Pour être honnête avec vous, madame, je n'ai jamais vu un cas similaire auparavant. Même après avoir passé 3 mois à l'hôpital, je n'arrive pas à trouver ce qui ne va pas exactement chez lui. Il semble avoir développé une crise cardiaque qui l'a mis dans cet état et par conséquent, il a eu une paralysie totale du corps. Docteur, y a-t-il rien que nous puissions faire pour lui? Y a-t-il rien que nous puissions faire pour lui? Nous l'observions pour voir comment les choses évoluent. Parfois, la meilleure façon de se remettre de cette situation, c'est de s'entourer de ses proches. Mais docteur, va-t-il définitivement rester ainsi, hein? Pour être honnête, madame, je n'en ai aucune idée. Espérons qu'il réagisse positivement au traitement. À présent, je dois m'en aller. Je vous souhaite beaucoup de courage. Jésus. Adana, je viens tout juste croiser le médecin à l'extérieur. Alors qu'a-t-il dit? C'est quoi le problème? Il ne sait pas. Il pense que ce coma est la résultante de la crise cardiaque. Hein? Oh. Adana, viens avec moi dehors. Viens, on va discuter. Allez, viens. Allons discuter à l'extérieur. Allez, où m'amènes-tu? Allez, viens! Allez! Viens! La colère des Coquicouins est en train de s'abattre sur ta famille. Elle est responsable de la maladie de ton mari. Allons très vite la calmer, sinon ceci ne serait que le commencement. Grand frère, tu veux que je donne mon seul fils à une divinité des eaux? Grand frère, une divinité des eaux! Et tu trouves normal que ton unique neveu vive de la même façon que toi? Sans femme, ni enfant qui lui appartient? Tout ceci à cause d'un mariage avec une déité. Ton mari est très malade! Ce n'est pas le temps pour nous de commencer à nous chamailler! Allons très vite calmer sa colère. Sinon, ce sera trop tard.
Elle va complètement détruire tout ce pour quoi tu as travaillé, tout ce à quoi tu tiens. Je ne retournerai plus jamais là-bas. Plus jamais! Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. Il va délivrer mon mari de cette maladie et il sera victorieux. Je le connais. Je connais mon Dieu. Adana, c'est pour ça qu'au début j'avais refusé de t'aider. Ekukikwe est une déesse très très vengeresse. Elle ne connaît pas de pitié. Plus vite nous irons la peser, mieux ce sera. Je vois que tu es vraiment décidé à me faire retourner voir cette déité impuissante. Chukuka, si tu ne veux pas que je te déteste, ne t'avise plus jamais. Moi? Tant que tu n'auras servi cette déité, grand frère, ne t'approche plus d'un membre de ma famille. M'as-tu entendu? Chukuka, maintenant, pars de chez moi. Adana, est-ce que tu es vraiment en train de me chasser de chez toi? Tu m'as entendu? J'ai dit pars de chez moi! Ok. Mon amour. Ben, ne me fais pas ça. Non, mon amour, je t'en prie. Maman. Mon amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ben. Ben, ouvre tes yeux. Maman, demande-lui de se lever. Maman, demande-lui de se lever. Maman. Ben. Jésus, que se passe-t-il? Maman, demande-lui de se lever. Je t'en prie. Ben, Adana, qu'est-ce qu'on fait? Adana. Ah, oh, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais voir? Hein? Hey, envoie-moi. Hey, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, Adana. J'ai essayé d'avertir votre mère des conséquences de ses actes. Mais elle était catégorique sur sa décision. Si seulement elle m'avait écouté, nous n'en serions pas là. There is something strange going on. Very mysterious, so dangerous,
going on. Feel serene. Tonton, que faisons-nous ici? Cette ici. Elle nous a conduits jusqu'à la plage. Qui est sa maison? Venez, allons-y. C'est ici que ma sœur Adana fit sa demande. Ma sœur Adana, votre mère, avait décidé de rompre sa promesse faite à la déesse. Elle disait que c'est Dieu qui lui avait donné un fils, mais pas la déesse. Par conséquent, elle refusa de lui rendre visite, de t'offrir en mariage chez elle, et même de lui rendre hommage. Mais tonton, pourquoi n'as-tu pas averti notre mère? Je l'ai fait, mais elle ne m'a pas du tout écouté. Elle en a payé le prix. Elle est morte. Et votre père est aussi mort de ça. Ensuite, la déesse prit en charge ta protection personnelle. Quiconque oserait t'offenser connaîtra sa colère. Elle t'aimait déjà, bien avant ta naissance. Ça, c'est quel genre d'amour? Je n'en veux pas. Ekukike, la déesse du vent et de la mer, protège toujours ses époux. Et elle prend très bien soin d'eux. Tu es en train de dire que je suis le mari d'une déesse? Ou tu essaies de dire que c'est elle qui est à l'origine de ma fortune amassée au fil des années? Tonton, maintenant que nous sommes là, qu'allons-nous faire? Elle est très en colère contre toi parce que tu l'as rejetée. Aucun de ses maris ne l'avait rejetée. Quiconque ose subit toujours les conséquences. Nous devons nous dépêcher. Venez, nous devons nous dépêcher. Ceci est notre seul guide. Very mysterious, so dangerous, going on, feel surreal, but so unreal, it's hard to define, but a sense shivers, shivers up your spine, oh. It's like a blessing, but in fact, it's a curse. It's a curse, because this blessing is by force, from a strong force. Oh. She's the rush of the wind from the sea. George, elle est vraiment très en colère contre toi. Elle a commencé la querelle. Une querelle, c'est comme une querelle entre amoureux, entre mari et sa femme. Et cela va s'empirer. Nous ferons mieux de sortir de Fiarou, la retrouver, avant que la situation finisse par nous échapper. Allons-y. Allez, venez.
trouble. Free from my trouble. Free from my hassle. She has come for what she claims to be hers. She says that you are the one, and there is nothing that you can do. She says. Mon neveu, apporte-moi le canari. Elle est à la recherche de Jake. Jake? Elle veut faire du mal à quelqu'un qui t'est proche. Oh, c'est du n'importe quoi tout ça. Nous devons nous dépêcher. Certaines personnes devraient apprendre à se mêler de leurs affaires. Et surtout dans un monde aussi petit que le nôtre. Tu es vaincu au nom du Seigneur. La Bible ne t'enseigne-t-elle pas que le peuple périt et meurt faute de connaissance? Hé! Hey, Jésus! Annabelle. Claire, la copine de Georges. Comment es-tu entrée dans cette maison, Annabelle? Qui est-ce, Annabelle? Annabelle, elle est si jolie. Elle est tellement belle. Mais pourtant... Je vais pourtant la tuer. Quoi? Que se passe-t-il ici? Que dois-je comprendre de tout ça? Tu t'es disputé avec Georges? Et même, en quoi cela me concerne-t-il? Dépêche-toi de la laisser partir, sinon j'appelle la police. Aide-moi, mon Dieu. Mon bras. Mon Dieu. Mais... À l'aide. Quoi? Jake! Qu'est-ce qui ne va pas avec ta main? Georges. Claire est venue ici. Elle a essayé de faire du mal à Annabelle. Elle voulait faire du mal à Annabelle. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais elle a été plus forte que moi.
Et je ne sais pas ce qu'elle a fait à mon bras. J'ai mal. Et je me sens si fatigué. Je me sens si fatigué. Elle m'a charmé. Elle a dû me charmer. Je n'ai pas pu lui faire face. Une femme. Claire, peu importe comment tu t'appelles. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu me veux? Je n'ai rien à voir avec la promesse que ma mère t'a faite. Laisse-moi tranquille. Mon ami est innocent, laisse-le tranquille. Il faut la retrouver avant qu'elle ne fasse plus de mal. Allons-y. Allez, où? Tu sais où elle se trouve? Oui. Allons-y. N'est-elle pas belle? Je crois que je pourrais tomber amoureux d'elle si je voulais. George, tu dois vraiment faire attention à cette Claire. Il y a quelque chose chez elle qui n'est vraiment pas clair. Je veux dire, une femme qui te fait la cour, comme tu le dis, c'est dangereux. Eh bien, que dois-je faire? Trouver la bonne femme. Je veux dire, l'amour est plus doux lorsque c'est toi qui vas vers la femme. Et non, le contraire. Prends exemple sur mon cas avec Annabelle. C'est moi qui suis allé vers elle. Tu penses que si Annabelle avait fait le premier pas, je l'aurais épousée? J'aurais compris que quelque chose ne tourne pas rond, et je serais parti. En fait, ce n'est pas africain, ce n'est pas dans notre culture. Elle t'a pris comme un exemple d'amour, comparé à moi. À présent, il pense pouvoir t'aimer éternellement. Il ne va plus jamais te revoir. Puisqu'il a empêché celui que j'aime de m'aimer, il n'aura plus jamais la chance de t'aimer. Tonton, comment as-tu su qu'elle serait ici? Ce canaré. Elle nous mène à l'endroit où elle se trouve. Laisse-la tranquille. Laisse-la s'en aller.
C'est moi que tu veux. Prends-moi. Tue-moi. Mais laisse la femme de mon ami tranquille. Toi, tu m'as rejeté avec toute la chance que je t'ai donnée. Comment as-tu osé? La vraie et unique chance vient de Dieu, car c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout là-haut, d'où viendra mon secours? As-tu déjà entendu cela dans le livre des Psaumes? Comment oses-tu? Où était ton Dieu quand j'ai fait de toi ce que tu es? Où était ton Dieu quand je t'ai tout donné? Où était ce Dieu quand je t'ai donné richesse et succès? Seul le Seigneur peut répondre à cette question, car dans le seul livre, il est écrit « L'argent est à moi et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées, qui suis-je pour questionner Dieu ?» Au nom de Jésus, je prie par autorité au Seigneur. Toute arme forgée contre ton fils sera de nul et de nul effet. Je commande à tout esprit des eaux, à tout esprit de sirène, de retourner dans les abîmes des ténèbres. Peut-être qu'il a laissé tout ceci arriver pour glorifier son nom. Il a laissé tout ceci arriver pour que toi, tu témoignes de la gloire du Seigneur avant que tu ne retournes en enfer d'où tu viens. Tout esprit de sirène, venu des marigots, venu des rivières, venu des océans, je vous envoie le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Feu! Car la Bible dit que lorsqu'on parlera du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Jamais de la vie! Je suis la grande! Je suis la grande! Toute arme forgée contre moi sera nulle et nulle effet. Je prie, Père, au nom de Jésus. Je prie, Père, au nom de Jésus. Ce n'est pas ma faute. Laisse cette femme partir. Maintenant. Tout ça, c'était le passé. Aujourd'hui, ma fureur est scandaleuse. Tu n'es plus la même Tizi au grand cœur que j'ai connue. Rappelle-toi quand tu essuyais les larmes de mes yeux. Tu me prenais la main dans la rue. Qu'est-ce qui est arrivé à cette Tizi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Non! Ah! Oh! Tu m'as brisé le cœur en me tournant le dos. Tu étais comme une sœur pour moi. Malgré ça, je t'aimais. Mon amour pour toi était platonique. Je ne savais pas que tu étais un esprit. Je ne suis pas de ta famille. Je suis celle qui t'a fabriqué. Mon Dieu! Si c'est elle qui m'a fabriqué, alors laisse-la m'emmener. Laisse-la me détruire. Mais si c'est toi, mon créateur, si c'est toi le Dieu qui a créé le ciel et la terre, chasse ce démon loin de moi. Tu m'appartiens. Il va bien. Après avoir été témoin de ça, je ne retournerai plus jamais vers elle pour la louer. Jamais. Plus jamais. Je servirai uniquement le Dieu vivant, celui devant lequel tous ces démons fléchissent le genou à la mention de son nom. Oui. Mon frère, tu es libre. D'accord? Tu es un enfant de Dieu. Et ce n'est que lui qui t'a donné à notre mère. Le diable est un menteur. Allons-y.
drunk horse. She's the rush of the wind from the sea. And her call was him to the free. She's the rush of the wind from the sea. Has come for what she claims to be hers. She says that if you are the one, and there is nothing that you can do, she says that you're the one. There's no place to hide because she's already inside. She's a ride. Blast from the past has come at last to command you. How long will it last? Nobody knows in this event. Rush out the wind. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. She says that you're the one. There's no place to hide because she's already inside. She's a high tide. Oh, must take the ride. Take the ride. Blast from the past has come at last to command you. How long will it last? Nobody knows in this event.
rush out the wind.